Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Ça y est, vous êtes tous masqués. Vous avez pris un peu de distance comme c'est prévu. Il faudra même 4 mètres entre le pasteur et le premier rang. Donc ce n'est pas tout à fait le cas, mais on ne prend que la moitié. Donc c'est bien aussi. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Je me réjouis de pouvoir reprendre avec vous aussi ici dans ce temple. Ça fait maintenant depuis le 8 mars. Le 8 mars, c'était notre dernier culte ici à Indorf. Bienvenue à toutes et à tous, au nom de celui qui nous rassemble et qui nous rappelle ce matin que nous sommes une créature merveilleuse. Le psalmiste dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Ce matin, nous voulons louer notre Seigneur, nous voulons nous réjouir de ce que nous pouvons élever nos voix vers lui, de ce que nous pouvons lever nos mains vers lui pour lui apporter notre reconnaissance et notre adoration. Mais avant cette louange, j'aimerais que nous puissions avoir un court instant de silence et avoir une pensée toute particulière pour la famille Wilik qui a été durement éprouvée l'année dernière. Cela fait exactement un an que Rémi Wilik est parti de ce monde suite à cet accident de moto. Nous voulons penser à la famille, nous voulons simplement nous incliner un instant pour demander au Seigneur force, courage et soutien à celles et ceux qui ont été plongés dans ce deuil et dans cette dure épreuve. Seigneur, nous ne sommes pas grand-chose et notre vie ici-bas est limitée. Nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs. Mais à tes yeux, nous sommes précieux, chacune et chacun. Comme le rappelle le psalmiste, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique. Je le reconnais. Et Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et ce matin, je te demande pour la famille Wilik que tu poses ta main sur eux. Que tu les bénisses, que tu les relèves et que tu viennes vers eux avec des paroles d'espérance, de réconfort et de soutien. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci parce que tu veux ce matin être présent parmi nous. Tu veux poser ta main sur chacune et chacun et tu veux apporter une bénédiction toute particulière. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Amen. Et je laisse la place tout de suite aux deux louanges. Bonjour tout le monde. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Nous voulons ce matin lever les yeux vers les montagnes d'où nous viendra ce secours. Thank you.
Thank you.
devant ce Dieu qui enlève les fautes, qui
qui jette toutes nos fautes au fond de la mer. Si nous confessons nos péchés, nous rappelle la parole. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confessons à Dieu nos péchés. Seigneur, tu as accepté d'aller jusqu'à la croix. Ton sang a été versé, ton corps a été brisé. Et sur cette croix, tu as dit, tout est accompli. Voilà pourquoi nous pouvons ce matin venir à toi tel que nous sommes. Nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce. Nous pouvons nous approcher de ce Dieu trois fois saint pour déposer. Merci parce que tu es ce Dieu qui pardonne. Tu es ce Dieu qui jette nos fautes au fond de la mer, pour que plus personne n'y ait accès. Seigneur, par ce pardon, tu nous relèves, tu nous fortifies et tu nous guéris. Merci de tout cœur pour ce que tu as accompli pour chacun et chacun d'entre nous. Amen. Magnifique est le Seigneur. Thank you.
Chère Assemblée, je me souviens du premier culte de l'année 2020 et je vous avais dit que ça doit être une année 20 sur 20. Mais je ne suis pas prophète. La question qui m'est posée récemment, souvent, mais quand est-ce qu'on peut enfin maintenant? Alors j'ai dû répondre, je ne suis pas prophète, je ne le sais pas. Cette année devait être une année 20 sur 20, nous avons fait nos projets, nous avions inscrit sur nos agendas et dates à retenir, fêtes de famille, on avait programmé les confirmations, il y avait des mariages qui ont été demandés, il y a des anniversaires à fêter, mais voilà que la plupart de nos projets ont été annulés, chamboulés. Nous sommes même obligés maintenant de faire un détour pour aller à l'église, mais ce n'est pas dû au virus. Le virus n'a pas attaqué le mur, mais le mur du voisin est en train de s'abîmer et il y a des risques d'effondrement. Voilà pourquoi nous devons passer dorénavant par la cour de l'école pour rejoindre le temple. C'est comme Moïse qui a fait un détour, mais il n'y a pas de buisson ardent. Mais même si nos projets ont été chamboulés. Peut-être que nos inquiétudes, nos peurs, nos soucis n'ont pas pour autant disparu. Et nous nous sentons quelquefois si faibles et quelquefois inutiles, démunis face à un problème ou une situation, découragés, fatigués, épuisés et sans force. Alors ce verset qui nous est proposé ce matin, il est peut-être pour nous, il est peut-être pour toi personnellement. Jésus dit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Et les paroles qui précèdent sont celles de Dieu données à l'apôtre Paul qui s'adresse à plusieurs reprises à l'Éternel pour lui demander la guérison. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Je voudrais vous livrer ce court témoignage de quelqu'un qui écrit « Ces paroles, ma grâce te suffit, ont toujours été pour moi une pierre d'achoppement. Je les ai mises de côté souvent, car elles me semblaient négatives et incompréhensibles. Dans un monde où l'on met en avant la force, la combativité, la réussite, l'esprit de compétition, quitte à écraser les autres pour cela, tu nous dis, Seigneur, ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Tout le contraire de ce que nous sommes censés être. Je me souviens de toutes ces prières que je t'ai adressées parce que je me sentais incapable de résoudre seule telle ou telle situation et parce que j'avais besoin de toi à des moments de ma vie. Je me souviens aussi de ta réponse, ma grâce te suffit, et de ma réaction de tristesse et de déception, car j'attendais ton aide, et c'est le verset que tu m'as donné, ma grâce te suffit. Peut-être sommes-nous dans la même situation ce matin? Combien de fois n'avons-nous pas prié et le Seigneur n'a pas répondu? Combien de fois n'étions-nous pas dans cette situation avec cette impression d'être abandonné? Un petit peu comme dans ce texte, et nous connaissons tous cette histoire des pas dans le sable, je ne vais pas vous la raconter, mais juste ce petit extrait. Quand cet homme qui voit sa vie et quand il est dans des situations difficiles, il ne comprend pas que dans des moments difficiles, d'épreuves, de situations de souffrance, eh bien, il ne voyait dans le sable qu'une seule trace. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime, je ne t'aurais jamais abandonné à même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais. J'ai envie de dire ce matin, laissons-nous porter
par celui qui nous connaît, qui sonde nos cœurs et qui sait mieux que nous ceux dont nous avons besoin. C'est certainement l'expérience de ces hommes de la Bible qui ont connu des moments de fatigue, de faiblesse, de découragement, mais qui ont pu, dans ces situations, expérimenter la puissance de Dieu. Je pense tout d'abord au roi David. Il dit dans le psaume 28, au verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur a eu sa confiance et j'ai été secouru. Et mon cœur se réjouit et je te célébrerai dans mon cantique. L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Nous savons et nous connaissons peut-être l'histoire de la vocation de David. Samuel doit choisir le roi. Isaïe a quelques fils. Il fait venir tous les fils. Mais Dieu dit à Samuel, « Ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. » Et alors Samuel pose la question, « Mais il n'y a-t-il pas un autre fils ?»« Si, si, mais lui, c'est le plus jeune. Il est dans les champs, il garde les moutons. » Il le fait venir et l'Éternel dit, « Eh bien, c'est lui. » Oui, le plus petit. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Ses frères étaient des guerriers, des hommes de caractère, mais Dieu avait choisi le plus jeune, peut-être voire le plus faible. Oui, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu regarde au cœur. Je pense à Josué, le successeur de Moïse, avec cette tâche difficile de conduire le peuple jusque dans le pays promis. Josué pourrait être découragé en regardant sa propre force. Il savait qu'il était faible. Alors l'Éternel lui apporte les encouragements dont il avait besoin. Il lui montre quelles sont les ressources auxquelles il peut puiser librement et abondamment afin d'accomplir fidèlement le service pour lequel il a été préparé pendant ses longues années dans le désert. Ces ressources sont ici au nombre de trois. Fortifie-toi et sois ferme. Appuie-toi sur la fidèle promesse de Dieu qui accomplira certainement ce qu'il a dit, car celui qui a promis est fidèle. Fortifie-toi et sois très ferme. L'obéissance à la parole de l'Éternel te fera prospérer et te rendra vainqueur. Et enfin, fortifie-toi et sois ferme, car ton Dieu sera toujours et partout avec toi. Histoire de Josué. Mais il y a aussi le prophète Élie. J'en ai déjà parlé si souvent. Il est dit dans 1 Rois 19, verset 8, « Il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. » Ce prophète du Dieu vivant, plein de confiance dans la parole de l'Éternel, a été rempli jusque-là d'énergie pour lutter et pour vaincre. Il a été soutenu par la puissance de Dieu, par la foi, par la confiance, mais devant des menaces, de la femme du roi, devant cette méchante Jézabel, il regarde à lui-même, à ses propres forces, et il risque de tomber. N'est-ce pas aussi quelquefois notre situation à nous? J'aime beaucoup ce verset dans les Proverbes, au chapitre 24, au verset 10. « Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. » Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Oui, Élie avait pu dire, « Éternel, ma force et ma forteresse, mon rocher au jour de la détresse. » Il a regardé à celui qui est puissant et fort.
et il a pu continuer son chemin parce que Dieu l'a rencontré, parce que Dieu lui a donné la nourriture dont il avait besoin. Cette nourriture est aujourd'hui pour nous la parole de notre Dieu, mais aussi l'esprit que Dieu nous donne pour que nous puissions continuer notre route. Et Dieu sait si bien ce que nous avons besoin. J'ai présidé cette semaine les obsèques d'une dame de 88 ans qui, déjà à l'âge de 20 ans, était très malade. Elle était hospitalisée pendant 2 ans pour des problèmes respiratoires. Et lors de l'enterrement, une nièce a pris la parole et a raconté cette anecdote. Quand cette femme était à l'hôpital avec sa sœur aussi était très malade. Le médecin, à un certain moment, disait « Il faut mettre cette dame dans une autre pièce, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. » Et l'hôpital où elle était dirigé par des sœurs. Et cette femme a eu la nuit, la visite, disait-elle, d'un jeune homme, bien habillé. Et le matin, elle a posé la question à la sœur, « Y a-t-il des visites la nuit ?» Et la sœur lui répond jamais. « Pourquoi posez-vous cette question ?» Et elle a dit, « J'ai eu la visite cette nuit d'un jeune homme qui m'a parlé. » Et elle avait vite compris que c'était un ange que Dieu lui a envoyé. Elle avait 20 ans. Elle est partie de ce monde à 88. Elle a traversé des moments difficiles. Mais elle a dit, elle sentait toujours cette présence divine. Oui, dans notre faiblesse, Dieu envoie quelquefois un ange. J'ai pensé à ce chant de Siegfried Fietz, ce chanteur allemand. J'aime beaucoup ce chant quand il dit, Dieu envoie quelquefois un ange quand il ressent nos soucis. Non pas quand il connaît, mais quand il ressent nos soucis. En allemand, Gott schickt dir manchmal einen Engel, wenn deine Sorgen spürt. Il envoie quelquefois un ange quand il sent tes soucis. C'est aussi ce que l'apôtre Paul a pu vivre. Et il dit, lorsque je suis faible, alors je suis fort. L'apôtre Paul, appelé par la grâce de Dieu, à porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les rois, pour être le témoin du Seigneur auprès de tous les hommes, pour être envoyé vers les nations, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Et c'est dans cette faiblesse que résidait sa force, car la puissance du Christ demeurait sur lui. Oui, l'apôtre Paul peut dire, le Seigneur seul est ma force et ma vie. Qui peut me nuire et qu'aurais-je à redouter? J'ai pour soutien sa puissance infinie. L'homme mortel peut-il m'épouvanter? Christ est ma paix, mon salut et ma gloire. Il est mon fort et le chef de ma foi. Par son amour, j'obtiendrai la victoire. Je ne crains rien, car Jésus est avec moi. Alors nous pouvons peut-être adresser à Dieu cette prière. Père, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en ton amour et j'ai confiance en toi. Il ne nous promet pas un chemin de rose, mais qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, il vivra avec nous chaque moment de notre vie, chacune des circonstances que nous vivons. Soyons faibles, non pas incapables de, mais humbles, et acceptons de rentrer dans le plan de Dieu. Acceptons d'être façonnés par lui, comme le divin potier avec le vase, afin que Dieu réalise le plan qu'il a prévu. Un plan d'amour qui peut changer le monde. Oui, nous sommes forts parce que nous connaissons
celui qui met en nous sa force. Alors, avec lui, nous pouvons vaincre. Avec lui, nous pouvons traverser les épreuves en sachant que lui posera toujours sa main sur nous et qu'il nous portera à chaque instant de notre vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-leur connaître tes voies, et à toutes les nations révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton Esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attache à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeure toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'Esprit et le lien de la paix. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager. Toi qui connais les besoins de chacun, accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Accorde-nous aussi la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de doute. Qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, qui accueille avec bonté nos prières, permet qu'à travers elles, nous t'apportions aussi l'offrande de nos vies, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle et au siècle. Amen. L'offrande sera recueillie à la sortie du culte. Encore quelques annonces pour la semaine à venir. La réunion de prière aura lieu donc demain soir à 19h30 et le culte dimanche prochain sera célébré à Burbach à 10h.
Recevez à présent la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Amen. Termine par le chant Grâce et Paix.